Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans un hall londonien. Je suis encore à Londres. Je suis encore dans la chambre d'hôtel, on va devoir partir dans même pas un quart d'heure. Donc je vais essayer de vous faire au moins une partie assez rapidement, comme ça en rentrant à la maison, si jamais ça coupe, parce qu'il n'y a plus de batterie non plus, vraiment tous les éléments pour pas faire cette vidéo en fait. Et ben je me dis que je continuerai à la maison, donc voilà. Donc faites pas attention à ma coiffure, hier il y a eu le tournage pour Assos, du coup il y a eu de la laque, du fer à boucler, du fer à lisser, ils sont complètement... Voilà, donc je vais commencer avec les produits et ensuite je vous montrerai ce que j'ai acheté côté fringues. Donc à savoir qu'il y a on a fait un craquage, surtout chez Primark, mais il y a énormément de cadeaux. Chez Disney aussi on a acheté trop de trucs. D'ailleurs elle est où la tasse? Elle est là-bas. Et donc voilà, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Préparez-vous, je vais essayer d'aller vite mais je ne vous promets rien. Donc je vais commencer avec ça. Donc il y a Primark, il y a Boots, il y a Superdrugs, il y a Disney du coup. On a été où encore? Enfin on a fait des achats, on a fait des achats que là je crois hein. Victoria's Secret, mais ça c'est pour vous donc je vais pas vous les montrer du coup vu que c'est pour le concours de Noël. Il n'y a pas grand chose, j'ai pris 3 petits lots vraiment pour incorporer du Victoria's Secret dans mon concours. Mais voilà, je voulais vous parler aussi d'une boutique où je suis allée. Il y a une boutique sur les Champs-Élysées qui s'appelle Arabian Oud. Je sais pas si vous connaissez, je sais pas si vous êtes déjà passé devant. Et plusieurs fois je suis passée devant et plusieurs fois on m'a dit oui, tu devrais tester vraiment les parfums de cette marque là parce que c'est vraiment de la pure qualité. Ce sont des parfums vraiment de... Vous savez, les parfums vraiment pas orientaux mais... C'est un peu ça en fait, hein. C'est bah, Arabian Oud, ça veut dire ce que ça veut dire. Et du coup on m'a dit que ces parfums là sont vraiment les meilleurs quoi. La qualité est juste exceptionnelle, ils tiennent la peau mais durant des heures ils sentent hyper fort. C'est vraiment le genre de parfum où on passe, il y a un nuage de parfum qui vous suit. Et du coup j'ai eu très envie de tester. C'est vrai qu'à chaque fois que je passais devant sur les Champs-Élysées, bah je suis jamais rentrée dedans. Et là il y avait une boutique sur Oxford Street, donc je suis rentrée dedans et je me suis acheté 2 parfums. Je pense que je vais vous faire une vidéo parfum et là je vous en parlerai plus en détail si ça vous intéresse. Est-ce que vous êtes les fans des parfums? Est-ce que ça vous dit que je vous refasse une vidéo mon top 10 parfums? Et ceux-là ils seront dedans. Ça c'est clair et net, surtout un, mon dieu quoi. Même ma belle-sœur elle a eu un coup de cœur. Hier elle arrêtait pas de sentir sa main vu qu'il l'avait swatché sur notre main. Et franchement c'est un truc de malade quoi. Donc c'est le Ressala et le... C'était quoi celui-ci? C'était celui-ci notre préféré je crois, ouais, le solide. Elle a dit il me reste un peu de place dans ma valise. Non non. On est allé chez Boots. Chez Boots ils font vachement de promos, ils vendent de, bah, tout ce qui est vraiment produits de grande surface entre guillemets, tout ce qui est Soap & Glory, L'Oréal, NYX, Rimmel, Butter London, enfin toutes ces marques là en fait ils vendent à peu près tout. Vraiment Boots il y a de tout maintenant. Et je sais pas pourquoi je dis maintenant mais je crois que ça a toujours été le cas. Et du coup j'ai pris des gels douche de chez Bath and Body Works, de chez Soap & Glory qui se présente comme ceci. Alors ça c'est vraiment parce que Jen n'arrête pas de m'en parler. Elle me dit oui ça va, dès que tu commences à utiliser les gels douche Soap & Glory tu t'arrêtes plus, tu veux plus utiliser les autres. Du coup bah je me suis laissée tenter. Donc là il y a le Clean On Me et le Foam Mousse. Et je vous avouerai que je préfère le Foam Mousse. Donc je vous en parlerai dès que je les aurai vraiment testés. Mais très sincèrement Jen, il y a intérêt à ce qu'ils soient bien. En tout cas ils sentent vraiment très bon, ça sent le propre, ça sent vraiment super bon. J'ai acheté 2 produits chez Primark parce que pareil ça c'est Jen qui m'en avait parlé. Et elle me disait ouais franchement les produits capillaires de chez Primark sont vraiment excellents. Elle en avait acheté, elle avait été hyper contente. Donc je me suis dit que j'avais envie d'en acheter bah, pour tester aussi et pour vous en parler, pour vous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Donc c'est la gamme à l'huile d'argan du Maroc qui se présente comme ceci. Donc on a le shampoing et on a l'après-shampoing. Et je me suis dit de toute façon vu qu'ils sont vendus en France également, bah tant mieux comme ça, même si je vous en parle vous pourrez aller les acheter quoi. Donc ce sont des produits sans sulfate et sans parabènes. Et donc ça c'est vraiment génial pour les personnes qui font des, bah, des lissages brésiliens ou qui tout simplement ne veulent pas utiliser de sulfate ou de parabènes. Donc pareil je vous en reparlerai. Ils font 335 ml, donc ce sont quand même de grosses bouteilles. Et ils n'étaient pas donnés non plus hein. Je crois qu'ils sont aux alentours. C'est moins cher que, un petit peu plus cher que les produits de grande surface. Je crois qu'ils coûtaient aux environs de, ça faisait du
5-6 euros je crois, donc c'est pas excessif hein, non plus, mais c'est un petit peu plus cher que les produits de grande surface, donc voilà, je testerai encore une fois et je vous dirai ça. Donc je me suis bien sûr repris le 3 minutes Essie de chez Aussie parce que je l'adore, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un produit que vous laissez après votre shampoing sous la douche, vous le laissez poser 3 minutes et vous rincez, et ça apporte vraiment de l'hydratation, ça répare le cheveu, vraiment c'est un produit excellent. Donc j'ai pris le 3 minutes Miracle pour voilà, vraiment lutter contre les dommages causés par les produits les appareils chauffants, le fer à lisser, le bouclard, etc. Donc c'est le orange qui est mon préféré. Et du coup j'ai pris le Freeze Remedy qui apparemment lutte contre les petits frisottis et tout, qui apporte douceur. Donc voilà, je vous dirai ce que ça donne. Je me suis pris également une petite laque Elnette, voilà, parce que c'est la meilleure laque du monde hein, je pense qu'on est tous d'accord. Et j'en voulais une petite en fait pour mon sac à main tout simplement, et pour quand je pars en voyage, en séjour ou quoi que ce soit, pour pouvoir la mettre dans mon petit vanity. Donc j'ai pris celle qui apporte de la lumière, de la brillance, donc voilà, que j'ai acheté je crois chez Boots également. Et ils font beaucoup de mini formats et ça c'est vraiment génial, et je trouve que c'est vraiment un truc, j'ai l'impression, typiquement anglais américain, parce qu'en France ils font pas encore énormément de produits petits formats, alors que vraiment même chez Sephora aux États-Unis, au niveau des caisses, on a toujours des miniatures de tous les produits, et ça c'est, je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, j'ai repris des shampoings Baptiste, des shampoings secs parce qu'ils sont vraiment géniaux, et parce que voilà, les shampoings Baptiste, ce sont les shampoings Baptiste. Donc j'ai pris celui à la cerise qui est fruité, qui est juste fruité, il apporte rien de différent. J'ai pris l'original hein, bien sûr, et j'ai pris, je crois que c'est mon préféré, c'est le blush, donc Floral and Flirty. Donc voilà, ils font ce format là, et chez Boots ils font aussi des plus gros formats, mais je me suis dit bon, déjà dans la valise ça va être une galère, déjà que la valise elle est pleine avec les cadeaux de Noël et tout qu'on a acheté chez Disney, mais puis pareil quoi, j'en ai pris 3, donc ce format là est juste parfait. Zoéla. Et du coup j'ai été trop contente, je me suis dit bon allez, je vais tester. Et je sais pas si vous connaissez Zoéla, si vous ne la connaissez pas, quand même. C'est une youtubeuse anglaise en fait, qui fait partie vraiment des plus grosses youtubeuses au monde. Je l'adore tout simplement parce que je trouve qu'elle est simple, hyper nature, hyper rigolote, hyper je me prends pas la tête, elle a l'air vraiment très honnête, très vraie, et c'est vraiment, s'il y avait quelques youtubeuses que j'aimerais rencontrer, elle en fait vraiment partie. C'est vraiment une fille absolument géniale avec qui je pourrais m'entendre parfaitement je pense, enfin bref, elle a ce grain de folie que j'adore, et du coup je suis hyper contente qu'elle ait pu voilà réaliser tous ces beaux projets. Je suis toujours très contente quand une youtubeuse réussit à et entreprend ce qu'elle... voilà, c'est génial quoi, c'est vraiment génial. Et du coup en tout moment sur ce stand il y avait plein de petits trucs vraiment très Zoéla, des trucs trop mignons, et il y avait une crème pour le corps, une lotion pour le corps et un parfum, donc comme ceci, et j'ai trop adoré. Donc j'ai senti le parfum, je me suis dit bon bah la crème je peux pas l'ouvrir donc ce sera surprise, mais du coup j'ai swatché le parfum, enfin swatché, pchité, et ça sent trop bon, donc je suis trop contente de l'avoir pris. Et même ma belle-sœur trouve qu'il sent trop bon. Depuis que je l'ai pris, elle arrête pas de se pchiter avec. Et le truc c'est que quand je suis rentrée dans Superdrugs, ma belle-sœur n'est pas rentrée avec moi, du coup je pense qu'elle regrette un petit peu. Ensuite je me suis pris un gommage que j'adore, que je connais depuis très longtemps et qui est très connu, et qui d'ailleurs est numéro 1, le numéro 1 des gommages pour le visage au UK. C'est le gommage Saint-Yves à l'abricot, donc voilà, je vous en avais déjà parlé dans de nombreuses anciennes vidéos, et bien là j'ai décidé de le racheter parce que c'est vraiment un gommage que j'adore, et c'est l'un des produits que je vous recommande si vous allez en Angleterre. Ensuite côté anti-cerne, voilà, j'ai pris le Maybelline parce que je l'adore, et parce que j'ai l'impression qu'il coûte un peu moins cher ici, donc voilà, j'en ai profité, j'ai pris le Je mets Maybelline Instant Anti-Âge, le Eraser, bah celui dont je vous parle tout le temps avec le petit embout mousse, qui pour moi est le, je crois, le meilleur anti-cerne en grande surface, je pense, en tout cas l'un des meilleurs. Et par la même occasion j'ai pris celui-ci parce que je l'avais jamais testé, c'est le Better Skin Super Stay, pareil de chez Maybelline, donc voilà, je l'ai pris en light, et ceux-là je les ai pris en light comme d'habitude, donc je testerai celui-là, je vous dirai s'il vaut le coup, j'ai vraiment hâte de le tester. Et puis j'ai pris ça aussi chez Primark pour faire des teintures à la maison, parce que j'en ai, enfin je sais même plus où il est, avec le déménagement je sais absolument pas où je l'avais mis, et puis c'était une livre. Donc voilà, il y a le petit pot, il y a le bec verseur, il y a les pinceaux. Donc voilà, chez Primark il y a plein de trucs comme ça, les petits accessoires vous savez qui servent, enfin
petits accessoires pas chers. Donc j'en ai profité pour prendre ça. Pareil chez Primark, je me suis pris des bonbons. Parce que sachez que c'est chez Primark, ils mettent toujours des bonbons partout et surtout au niveau des caisses. On ne vous dit pas merci Primark et qui coûte pas cher du tout. Je crois que c'était une livre, des gros trucs comme ça. Et par la même occasion, je me suis pris ces chewing-gums parce que je les adore. Ce sont les chewing-gums Choupa Choups Goo Bubble Gum. Et c'est le vrai Goo Bubble Gum comme quand on était petit. J'ai pris ça aussi, les bonbons Pez. Bon, je vais peut-être partager avec mes neveux. Mais c'était surtout pour moi parce qu'ils piquent. Et à l'époque, quand j'achetais des... C'était mon papa qui m'achetait des... Des bonbons Pez comme ça et à l'époque il n'y avait pas de pic et voilà ça m'a rappelé des souvenirs donc j'ai eu envie d'en reprendre tout simplement. Changement de décor, donc il y a un rayon, en fait si je me mets là je suis vraiment face au soleil et j'ai du mal à ouvrir les yeux donc on va laisser le rayon juste ici. Donc changement de décor, étant donné qu'on a dû partir de Londres et que de toute façon ma batterie m'a lâché, je me suis dit que je continuerai le haul une fois rentrée à la maison. Donc je sais plus où on en était exactement, mais je crois qu'on s'est arrêté aux accessoires que j'avais acheté chez Primark. Donc j'ai acheté quelques petites bagues parce que vraiment là-bas j'ai l'impression, alors côté prix je ne sais pas si c'est moins cher, parfois j'ai l'impression que c'est un peu moins cher et d'un autre côté j'ai l'impression aussi que c'est un peu les mêmes prix, mais ce qu'il y a de ce qu'on a constaté c'est que vraiment, enfin je l'avais déjà constaté, mais question choix, il y a carrément beaucoup plus de choix là-bas et c'est beaucoup plus tendance, c'est beaucoup plus joli, je trouve que ça n'a rien à voir avec les Primark en France. Donc j'ai acheté des petites bagues qui sont vraiment magnifiques. Donc j'ai acheté ce lot de 3 bagues à 3 livres qui sont vraiment super belles. J'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Je les trouve vraiment vraiment super super belles. Je trouve qu'elles font pas cheap du tout. En général les bagues avec des strass, des choses comme ça, j'évite un maximum parce que je trouve que ça fait très très vite un peu cheap quoi. Et du coup là absolument pas, elles sont vraiment super belles. Et pour 3 livres franchement elles sont vraiment magnifiques. Ensuite j'ai pris un lot de plusieurs bagues que j'ai trouvé vraiment très belles. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Pourquoi tu t'assois pas? Ça va pas te gêner? Non, pas du tout. Et du coup un lot de plusieurs bagues que j'ai eu à 2,50 €. Donc franchement les lots à plus de plusieurs bagues comme ça en France, j'en trouve jamais à ce prix là. Et donc il y a des bagues pour les phalanges, il y a des bagues un petit peu plus grosses. Et du coup ce que j'ai adoré c'est qu'il y a de toutes les couleurs et toutes les sortes. On a du rose gold, on a du couleur gold, couleur argentée. Et je les trouve vraiment magnifiques, elles sont très très belles. Je ne saurais pas vous dire si ce que j'ai acheté se trouve également dans les Primark en France. Je pense que la majorité oui, mais après comme je vous disais parfois les collections diffèrent un peu donc voilà, je les ai vraiment trouvées belles. Et pour terminer avec les bagues j'ai acheté celle-ci que je regrette de ne pas avoir prise en noir parce que je la trouve vraiment très belle également, elle est comme ceci. Je me suis pris une brosse également qui m'a coûté 3 livres, moi j'ai envie d'éternuer. Ça y est, vous m'avez refilé votre crème. Ils m'ont tous refilé leur truc là, je suis sûre et certaine que ce week-end pour le meet-up je vais être malade. J'en suis sûre. Donc je me suis pris cette brosse là parce que j'ai trouvé vraiment magnifique. Elle est rose gold et elle a un espèce de petit il y a des petites perles en fait nacrées autour de la brosse. Et je l'ai trouvée belle et à 3 livres voilà. Et j'adore ce genre de brosse là en fait. J'aime bien quand ça me masse en fait en même temps le cuir chevelu. Ça stimule la circulation et ça fait pousser les cheveux. Avant de passer aux fringues que j'ai acheté chez Primark, je voulais juste vous montrer deux petites choses. Donc je suis trop fière et trop contente parce que ça fait une éternité que je la cherchais. La Barbie Jasmine. Ça faisait trop longtemps que je la voulais, mais trop longtemps, vous n'imaginez même pas à quel point. Et j'ai été trop contente de tomber dessus quand on est allé au Disney Store qui se trouve à Oxford Street, qui est juste magnifique. Franchement c'est à chaque fois que je rentre dans ce genre enfin dans les Disney Store quoi, c'est on a l'impression d'être à Disney tout simplement. Et voilà, donc j'ai été très heureuse de tomber sur ma petite Jasmine d'amour. Donc je me la suis prise et je pense commencer une collection de Barbie princesse Disney. Barbie Disney parce que j'en suis complètement dingue et j'adore ça. Donc j'ai bien sûr commencé avec ma préférée qui est Jasmine. Et je pense qu'après je vais prendre Mulan parce que aussi pareil j'adore sa personnalité. Pocahontas, Ariel, la petite sirène, enfin bref. Ariel. Ouais, Ariel. Et toujours au Disney Store, je me suis pris une tasse, voilà, pour agrandir ma collection de tasses dépareillées. Et je me suis pris la tasse Jasmine parce que je l'ai trouvée absolument magnifique. Donc maintenant, on passe aux fringues parce que j'ai acheté vraiment pas mal de choses chez Primark. Et du coup, je me suis pris deux pochettes.
qui sont comme... Donc je vais commencer avec celle-ci parce que c'est vraiment celle que je préfère. Et ma belle-sœur s'est prise une pochette comme ça, mais en marron un peu camel. Elle est magnifique, j'ai eu un coup de cœur dessus, mais c'était la dernière qu'elle a prise. Et... Non, je t'échange pas. À la valide, elle me dit je te l'échange contre le parfum que j'ai acheté chez Arabia Nude. Franchement, il sent trop bon. Elle l'a mis là. C'est vrai. De toute façon, je vais vous faire une vidéo parfum. Il faut que je vous en parle parce qu'il sent juste trop trop bon. Et du coup, moi, je me suis pris celle-ci qui m'a coûté 10 livres, je crois, 9 livres. Bon, bah, j'ai pas encore enlevé le plastique, mais au niveau de la hanse, c'est un effet serpent et il est beige, noir, avec des détails dorés. Et comme je lui disais, en fait, il me rappelle beaucoup les petits sacs Chloé. Je trouve qu'ils sont très ressemblants. Et voilà, donc forcément, ce n'est pas du cuir à ce prix-là, mais je trouve qu'il fait pas cheap et qu'il est vraiment très mignon. Et toujours dans le même esprit, je me suis pris celui-ci en noir, tout simple, qui m'a coûté cette fois-ci 5 livres au lieu de 9 livres. Il était en promotion. Et voilà, j'ai trouvé vraiment très mignon. Et c'est le genre de sac que je voulais en ce moment. Un petit sac noir vraiment tout simple. Quand je sors le soir ou quoi que ce soit, quand je n'emporte pas énormément de choses, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et côté sac, j'ai pris celui-ci également qui est beaucoup plus grand cette fois-ci. Qui est cette fois-ci dans un esprit lancelle. Qui est énorme, enfin qui est énorme, non il est pas énorme mais il est beaucoup plus grand et il peut se porter en bandoulière et j'ai adoré l'effet un peu bimatière, genre effet croco ici, effet cuir lisse juste là. Celui-ci je pense que c'est beaucoup beaucoup le style de ma soeur, donc je pense que celui-ci va beaucoup beaucoup aller chez elle. Donc voilà, et celui-ci il a coûté 10 livres, il a coûté 10 livres et je l'ai trouvé vraiment joli. Je me suis pris un pull parce que j'ai trouvé magnifique et ma soeur a, moi et ma soeur on a pris le même, vraiment même la couleur, on l'a trouvé hyper belle. C'est entre le beige et le kaki et ce pull là nous a coûté combien, 12 livres. Donc moi je l'ai pris en 34-36 et il est vraiment très beau, il est assez long et en fait sur les côtés ce qu'on a aimé c'est qu'il y a des zips que l'on peut ouvrir. Donc voilà, vous pouvez jouer sur plusieurs styles, soit le laisser fermé, soit le laisser ouvert et du coup rentrer le devant du pull dans votre pantalon, dans votre jupe et laisser tomber derrière. Enfin voilà, moi je le vois porté de différentes manières et j'ai trouvé vraiment très très beau. J'en avais pris d'autres que j'ai reposé, je me suis dit en ce moment côté fringues j'ai déjà tout ce qu'il me faut, donc voilà. Et du coup je me suis rabattue sur les pyjamas, vous savez que j'adore les pyjamas de Primark, j'en suis complètement fan, ils sont toujours trop fun. Et j'ai pris la Reine des Neiges. Donc j'ai pris le top qui m'a coûté il m'a coûté combien, il m'a coûté 5 livres le top, que j'ai pris en taille L parce qu'il n'y avait plus du tout de taille, il a été liquidé celui-ci. Du coup ça fait un t-shirt hyper large avec les personnages de la Reine des Neiges. Il y a Olaf, il y a Elsa et il y a, comment elle s'appelle la sœur d'Elsa, Anna. Donc voilà. Et il est super mignon et du coup j'ai pris le pantalon qui va avec, qui fait un petit peu pas leggings mais qui colle quand même à la peau et qui est hyper confortable, il est hyper long et il est hyper mignon quoi. Ensuite toujours côté pyjama, j'en ai pris un autre qui je trouve me reflète parfaitement, qui voilà est tout à fait moi. Donc c'est un débardeur avec un short et dessus il est écrit que les chaussures peuvent changer une vie. Donc bien sûr c'est Cendrillon qui dit ça, parce que mis à part toi Cendrillon, personne n'a trouvé son prince charmant grâce à une chaussure. Si jamais ça vous arrivait, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, mais je pense sincèrement que c'est la seule qui l'a trouvé comme ça. Mais l'espoir fait vivre. Donc voilà, je l'ai trouvé hyper mignon. Donc le haut je l'ai acheté à 8 livres, donc j'ai pris une taille S et j'ai pris le short qui va avec, que j'ai trouvé vraiment mignon, pareil que j'ai pris en taille S. Mais de toute façon ils se vendent ensemble je crois. Donc voilà, avec plein de petites chaussures dessus et c'est écrit que les chaussures peuvent changer une vie. Donc ensuite je me suis pris ce sweat là, voilà, un sweat un petit peu pyjama, enfin pour porter à la maison. Après je trouve que ça choque pas si vous le portez dehors quoi, avec un pantalon. Et dessus c'est écrit Once upon a time princess was born. Hi. Donc have you seen my prince? Est-ce que vous avez vu mon prince? Je l'ai pas vu. Côté fringues, vraiment pour sortir, je me suis pris deux t-shirts parce que pareil j'adore les t-shirts chez Primark, je les trouve vraiment top et fun. Donc bien sûr j'ai pris celui-ci, dès que je l'ai vu j'ai eu un énorme coup de cœur et c'était le dernier. Donc celui-ci je l'ai pris en taille S je crois, en XS et il a coûté 8 livres. Superman, Superwoman dans mon cas. Et franchement j'adore la couleur, j'adore ce genre de t-shirt quoi, j'adore. Et à chaque fois je trouve mon bonheur chez Primark. Et j'ai pris aussi un autre t-shirt mais cette fois-ci avec un côté un peu asymétrique, un petit peu comme le top que je vous avais présenté de chez Zara, qui voilà qui descend un peu comme ça. Sauf que c'est ouais il ressemble à celui de chez Zara.
et part-time dreamer. Et j'aime beaucoup, en fait il est blanc avec comme des petits traits noirs en fait dessus. Et pareil, il est super joli porté, il est hyper décontracté, avec un slim, une paire de talons, ça peut faire hyper joli. Je me suis pris un dessous de robe aussi, parce que des fois j'ai des robes qui sont un petit peu transparentes, ou voilà, donc je me suis pris celui-ci qui m'a coûté 10 livres, que j'ai pris en taille 38-40, parce que le 34-36 me paraissait trop petit, genre la taille d'une poupée Barbie. Et j'ai eu peur de pas respirer dedans, donc je me suis pris celle-ci qui m'a l'air vraiment très très bien. Donc voilà, c'est vraiment un dessous de robe pour porter en dessous de vos robes, voilà, pour gainer, pour au cas où la robe est transparente ou quoi que ce soit. Du coup, je me suis pris deux brassières pour faire le sport, que j'ai eu à 6 livres chacune. Donc je l'ai prise en rose et je l'ai prise en bleu un peu verte. Enfin, je me suis pris des petites chaussettes comme ça, vraiment toutes simples pour faire du sport. Franchement, si vous recherchez de ce genre de choses pour le sport, etc., pas trop cher, y a beaucoup de choix, je vous conseille vraiment d'aller voir chez Primark, parce qu'en général, on est agréablement surprise. Et pour ces trois paires de chaussettes, je les ai achetées 2 livres 50. Donc voilà, il y en a trois à l'intérieur, une grise, une blanche et une noire. Et je me suis pris des soutifs. Alors, je suis pas du tout fan d'acheter des soutifs n'importe où, parce que pour moi le maintien des soutifs est hyper méga important, des dessins pardon, est hyper méga important. Mais j'ai eu envie de tester en fait pour pouvoir vous donner mon avis et vous dire si oui ou non ça vaut le coup d'aller acheter ces soutifs chez Primark, ne serait-ce que pour dépanner ou je sais pas trop. Donc j'en ai pris 4, j'ai pris 4 soutifs, donc de différents coloris. Celui-ci par exemple j'ai trouvé vraiment très beau, il est nude, blanc, il y en a un vert aussi. Je trouve que ça fait pas du tout Primark, en plus je les ai trouvés vraiment très très jolis. Et puis voilà quoi, je me suis dit que j'allais tester. Bon après j'en ai pris un noir vraiment tout simple. Ceux-là ils sont rembourrés, mais il y a vraiment plein, en tout cas à Londres il y a plein de styles de soutifs, balconnés, rembourrés, push-up, vraiment super push-up, il y a vraiment plein, on sait plus où donner de la tête. Et du coup je me suis dit que j'allais en prendre quelques-uns pour tester et vous en dire des nouvelles si ça vous dit, pour vous dire si oui ou non ça vaut le coup d'aller acheter ces soutifs là-bas qui sont pas du tout chers, qui coûtent 7 livres. Donc 7 livres, je sais pas ça fait combien d'euros, 13, 14, 13 euros je crois, un truc comme ça. Donc voilà, j'ai hâte de tester et de vous en dire des nouvelles. Et voilà pour mes achats à Londres, je crois que j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai rien oublié. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais je suis désolée, je vais arrêter de les toucher, mais ils sont catastrophiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à aller checker ma chaîne vlog pour voir les vlogs que j'ai filmés avec Assos, Londres, etc. Je vous filme plein de vlogs, j'essaie de reprendre les vlogs vraiment. Et du coup je vous mettrai la chaîne en barre d'infos, mais sinon c'est Wiz Sananas. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, je vais essayer de vous faire des petits concours là-bas également. Et puis bah voilà, je crois que c'est tout montré. Donc en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. J'ai le soleil qui me pique.